candidature y a Fayulu, ils ont dérangé. Ils ont dérangé parce que Fayulu veut jouer une carte où le pays va être encore en danger. Si Fayulu dépose sa candidature, ce n'est pas l'église catholique ni l'église protestante qui lui ont demandé de le faire. Il le fait lui-même en complicité avec Félix Tshisekedi. Ça, c'est la mission. Fayulu revient donc en course après avoir discuté en coulisses avec Félix Tshisekedi via Jean-Pierre Bemba. C'est ça le deal. Mais voici ce qu'on propose à Martin Fayulu. Mais Fayulu a préféré d'aller crédibiliser Oyongaï n'a été toujours qualifié d'une bêtise. À crédibiliser, non. Élection, il y a des académies. Fayulu n'a jamais été d'accord dans le processus du début à la fin. Un. Le groupe Swahilifone qui se présente devant lui est très puissant. Tu prends Mukwege, Ozur Katumbi, Ozur Matata. On sait que le vivier des électeurs, c'est de l'autre côté. Aller dans une élection avec ces groupes Swahilifone en laissant le Bas-Congo et Kinshasa vide, c'est faire une passe en or. Il faut absolument remettre Fayulu dans la course. Au cas où il y a une élection, Fayulu viendra travailler pour dire. Albert d'ailleurs, boycott est un vocabulaire en Haïti. Mais à représenter ma candidate à tous les niveaux, dans les CID et la Mouka, se sont décidés de ne pas présenter leur candidature à tous les niveaux. Je suis un citoyen révolté par tant de misères du peuple et l'ingérie des dirigeants politiques successifs. C'est un immense gâchis. Les citoyens ont le devoir d'intervenir dans les affaires publiques, surtout lorsque la nation est en danger. C'est mon cas aujourd'hui. Je suis prêt. Mukwege a donc bénéficié de la virginité politique, c'est-à-dire à gérer rien à l'État. Il bénéficie aussi du fait qu'il a pris Sakharov et qu'il a pris Nobel. Quand tu prends Bemba, qui n'a plus d'ancrage, il ne va apporter rien. Tu le coup en tant que candidat député, a réussi ça dans le coup de se faire élire. Kabouya même, Samaloukonde même. Donc ça veut dire que Kamere a réussi ça pour être élu plusieurs fois député. Mais les lots sont même la base de mon soir comme Bahim Belagé Moïse dans mon massage. Jacinda la Rose n'a jamais la raison. Pourquoi? Parce que Bassomba est banana prison macal. Jacinda la odieux saluana. Plutôt Katumbi et Bolingé Tengi doivent comprendre que Jacinda la c'est un terroriste au sein du parti. Jacinda la il faut pas benganaïe, soit benganiété. Ce parti va être tiré toujours en assé. À part tricherie, il n'y a personne qui peut logiquement faire passer Tshisekedi dans l'opinion. Et avec le bilan qu'a Tshisekedi d'aujourd'hui, il faut le dire, l'élo république est reculé de 10-15 ans en arrière. L'élo république est occupé où il a quitté avant. Réaco News à vous informer, c'est notre devoir. Réaco News, la chaîne qui vous informe en temps réel. La voix de Tatiana lutte contre l'inversion de valeurs, l'intelligence au service de la nation. Na Pesibino, Mbote, Bandeko Balandi, Réaco News Télévision, te présenter ma condoléance le plus attristé. Na famille Bandalungwa ou rien, au Bazali Kolela Moko ya Bango, ya Dieu, Makila, Oyoatika Kibiso Uto, Mikomutu Koleka Nanzambe, Abukasi Bonson, Ayamba, Moli Monaye, na Kimia, to Kopesa, Mbotama et mu na ba ibazali ko sepela mokolo ya mbota makasi to ko sepela yango mokolo ya lobby lokola azali invité na biso spécial mokolo ya lopoto ko panza maye mabomba mipenza tenati mwana mboka Marley Vuvu ko sepela mokolo na ya mbota ma to tombeli epe mbota ma ela mo équipe mobimba rédactionnel ya Réaco News Télévision to pesié Marley Vuvu, mbota ma ela mo déjà. Merci maman Tatiana, mbote na bakongo mani nyoso. Mbote pe na équipe mobimba ya Réaco News. Mbote lesusu na président na ngai Pascal Nyembo Muyumba. Mbote na honorable Mike Mukibai. Ko mikolonga na kobenga 749.
carte à Lukunga en Moana. Mbote pena Salomon Escadela na président Jean-Marc Kabund na Barnabé Milinga no pena bakanga mignon son na Stani Boujakira na koyebisa bango ete malgré trahison, malgré Tetris, nous nous sommes obligés de créer une nouvelle page de l'histoire. Très bien. Moi mboka Marley vous tokoko tananu galatea otuti kolanda ba makambo ya somo révélation sur parti ya Moïse Katumbi pona yo lokola jeune tango kotala toki nanan tango kotala mai mazali kolekana to banana na candidature ya Docteur Denis Mukwege ou ba Congolais nyoso ba kopé sa confiance à Nonsaki candidature na ye mokolo ya lobby Marley Vovo, est-ce que yo vous allez satisfait na candidature ya Docteur Denis Mukwege? Yali bosso esa da yali bosso esa na nke ana droit tant que Congolais. Oui. Sa droit na ye, on peut pas discuter sur ça. Mais on peut discuter sur des lignes, sur l'organisation, sur le profil. Mukwege a dû bénéficier de la virginité politique, c'est-à-dire qu'il ne gère rien à l'État. Pour le bâtir, il a corrompu, il a été. Il bénéficie aussi du fait qu'il a pris Sakharov et puis il a pris Nobel. Et puis avec plusieurs diplômes à docteur, il y a docteur honoris causa. Mais cela ne fait pas de Mukwege un bon candidat. C'est-à-dire? C'est-à-dire Mukwege, c'est un pion occidental. Aza pion yaba occidentaux. Ce qui fait que Mukwege a osa loko soit bimi président de la République, a osa loko la Macky Sall, a osa loko la Alassane Ouattara, a osa loko le nouveau président. Il y a Nigeria. En fait, a osa loko ba président ba Sassou Nguesso, ba président Moroboué, ba décide à rater par eux-mêmes. Avant de prendre une décision sur son pays, il sera obligé de consulter l'Occident. Mais bato ebele ba ko sepela mingi na docteur Denis Mukwege. Non ba ko sepela ngapena sepela na mingi na kibomoto nae, mais sur le plan gestion, sur le plan politique, il sera mêlé. Pourquoi? Parce que à répondre na ba maître Mukwege, je veux pas entrer comme est-ce que Mukwege est arrivé à avoir le prix Nobel. Mais je reste côté politique. Ça c'est un de deux. Ce n'est pas la politique internationale qui est une conséquence de la politique nationale. C'est la politique nationale qui est une conséquence de la politique internationale de la diplomatie. Ça veut dire qu'il faut définir la politique. Il faut que nous ayons une ligne au niveau de la niveau international. Or, nous avons une ligne au niveau 4. Comment est-ce que nous avons une ligne? Mais, on ne s'improvise pas l'idée. Nous avons une base de la Congo. Il y a une différence entre l'électorat VIP et l'électorat normal. L'électorat VIP est un grand salon, il y a même pas 500 000. Si on a sali Clémence, il y a 1 million. Mais la vraie électorat où il vote à Rapena, c'est dans la cité, dans le territoire, dans la banlieue. Or, dans le monde, ils ne connaissent pas Mukwege. Dans le monde, il y a Martin Fayulu. Non, Martin Fayulu a bénéficié à qui? Dans l'entourage, il y a un leader rebellé déjà. Tu vois, l'ancrage qu'avait Jean-Pierre Bemba dans son temps, l'ancrage qu'avait Jean-Pierre Bemba dans son temps, Moïse Katumbi, il était encore plus populaire parce que, vu la menace au Kabila, ça là qui est, tout ça, et c'est là que, il a la connu dans le public et puis bénéficié de la connaissance à public à football. Au monde. Et puis, vous avez Monaki Bamouzitu, quelque chose d'un ancrage à Makaste, mais il y avait une partie à Bazoazo Kouarnaï. À l'époque, on a tout basangana qui va te belé. Mais aujourd'hui, Mukwege va seul sans base, sans une base à l'intérieur. Ok. Donc ça veut dire que c'est un grand bandundu. Je ne pense pas qu'il y a 30 000 personnes qui connaissent Mukwege. Ceux qui sont dans l'Équateur, même. Ça veut dire que Mukwege est tout basara politique, n'a pas grand intellectuel. Or, Baza est belé par rapport à l'électorat en général. Malgré que Mukwege n'est pas un produit difficile à vendre, on peut vendre Mukwege rapidement. Très bien. Mais le temps, ils ont permettre. Mais ce qui est grave pour nous, c'est que nous sommes en train de nous battre aujourd'hui pour se délier dans le lien au Yaba occidentaux. Mukwege va nous ramener encore tout droit dans ma boucle à Batouana.
D'accord. Il est purement le candidat à Biden, il y a Macron, il y a Rendette. Ça dit un candidat à Bango, leur carte. Ce qui fait que, est-ce que tout après, il y a un dimanche, tout ça l'a récolonisé? Ou toi après, tout ce qu'il y a dans ma boucle occidentale pour tous les lacs, la communauté internationale, tu as instrumentalisé par les rebelles. Alors, il faut quitter cette zone-là. Mm-hmm. Or, avec mon quoi, tu as quitté mon petit. Okay. Avec mon quoi, tu as quitté mon petit, tu as l'impression que vous avez président, la bombe mission, vous avez président, vous allez vous rendre compte après, quand vous avez la président, le rôle de Macky Sall, le rôle de Ouattara, le rôle de Sassou, totalement esclave à l'Occident. Mm-hmm. Et ce qui ne serait pas, ce qui sera pas une bonne chose pour la commune. Merci beaucoup. Et ça, na moi na mboka Marley vous voudrez au Kenya kana nous na makambo oyo etali mambi mais batali tomona ki bandeko ya union sacrée basangiana ki bango banson pour na kolobate bango batie oyo ya bango candidat unique ya union sacrée ba ko soutenir candidature ya président Félix Tshisekedi otala ki ba tête wana na sorti oyo ya bango ya union sacrée et point de vue na yo lokola moyi politique. Mais quand tu prends Bemba qui n'a plus d'ancrage, il va apporter rien. Ba tu le ko boye moko en tant que candidat député a réussi ça non ko se faire élire. Kabouya même, Samaloukonde même. Donc ça veut dire Kamere a réussi ça qu'on a élu plusieurs fois député, mais les lots sont qui même la base des monsieur Kamba Mbelaké Moïse Bembo Masanjo. Ouais Kamere. Kamere. Ce qui veut dire que à part tricherie, il n'y a personne qui peut logiquement faire passer Tshisekedi dans l'opinion. Et avec le bilan qu'a Tshisekedi d'aujourd'hui, il faut le dire. Le lot république est reculé de 10-15 ans en arrière. Mm-hmm. Le lot république est occupé où il s'est quitté avant. Il y a des choses dans se faire comprendre. Mm-hmm. Le lot république au Moni Ouganda a tongi route asphaltée par Nabissou, a déplacé la borne à frontière. Ça veut dire aujourd'hui le pays n'existe quasiment plus. On veut quelqu'un qui va redorer l'image. Qui va faire en sorte que le pays ait revivre les choses. Mais avec ces groupes-là, alors, ils savent que Tshisekedi ne contrôle rien. Il faut battre pour qu'on va profiter, va détourner, va y va ming ming. Bah pour Tshisekedi, t'es pas salé Moussala bien. Bah pour Tshisekedi, t'es pour Tshisekedi peut transformer le Congo. Ils sont conscients que Tshisekedi a échoué ensemble avec eux. Maintenant, ils veulent battre le premier congrès où il y a union sacrée. Ils allient dans le pot, bas on va battre la bain. Non, pas parce qu'il a l'argent, mais parce qu'il aime les gens. Lui, c'est Bertin Itokola, docteur de son état, un homme social qui a un cœur pour aider les autres. Servir, assister et aider, ces trois verbes constituent un credo. Pour né un certain 20 juin 1972 dans la province de l'Équateur et résident actuellement à Kinshasa, précisément dans la commune de Barumbu, marié et père de 4 enfants, le docteur Bertin Itoko fut un élève puis étudiant exemplaire jusqu'à la fin de ses études universitaires sanctionnées par un diplôme en médecine, un master 2 en santé publique, option santé communautaire aux États-Unis. Puis diplômé en pathologie infectieuse de la femme enceinte à Paris. Dans un pays comme un immense chantier, la cinquantaine révolue, après avoir créé son centre de santé en 2008, dans la commune de Barumbu, la soif de servir les autres, comme on l'appelle, ne dort jamais sur ses lauriers, surtout quand il faut aider. Ses actions ne sont pas à compter au bout du doigt, mais nous pouvons en citer quelques-unes. La construction de 2 forages d'eau offerts gratuitement pour pallier à ces manques criants d'eau à Kinshasa, plus particulièrement dans la commune de Barumbu. Sa malade souffrant d'appendicite, hernie, myome et autres ont été pris en charge de la consultation, opération jusqu'à l'hospitalisation sans en payer aucun frais. Voulant promouvoir l'autonomisation de la femme, Dr. Bertin Itoko a octroyé à plus de 500 femmes, membres de sa fondation, les fonds de commerce. Question pour elles de subvenir aux besoins de leur foyer, avec une assurance maladie garantie au sein de son hôpital. Tu prends Bemba à côté. Bemba va te dire clairement qu'il ne peut pas soutenir Tshisekedi.
même quand même, tous le savent. Mais pour leurs intérêts, ils acceptent de se faire mouton. Ok. Alors, Tshisekedi n'est pas le candidat du peuple. Tshisekedi, c'est le candidat de la continuité, la destruction au Congo. Il faut que le peuple maintenant a sa décision de créer Retirouana. Ce n'est pas question de la continuité, Tshisekedi, mais nous créons de nouveaux leaders au Barroso Mboka avec une vision claire et propre. Merci beaucoup. Moi, Mboka, Marley, vous, Tomoni, P. Quand on a relevé la membre de la candidature, Tomoni, président du parti Nouvel Élan, Adolphe Mozito, a déposé candidature au Yaye avant début et après-midi, Kongomani, Soussou, Balobaki, Tomonaki, Angoué, Salimaki, Wapipaye, Vandaki, Yepé, candidat. Tata Mokambi, écoute, pour Nayo Adolphe Mozito. Non, Mozito déjà, il a un problème de moralité. C'est-à-dire? Mozito, il a plusieurs dossiers qui pèsent sur lui. On ne peut pas avoir un président de la République qui a des dossiers sérieux qui pèsent sur lui. L'autre, il faut que Adolphe Mozito, il y a une police judiciaire. Banquette sur la bancarisation, la paye à l'argent et à l'État. Mozito nous prenait 7 000 milliards par mois de francs congolais. Donc une affaire de 70 millions de dollars par mois. Le DG Yabiak à l'époque, président de la banque commerciale, à l'Obangotina RFI en ligne, bon pétain. Alors, comment un gars comme ça peut devenir président? Entre-temps, Mozito a, je vais le dire dans des termes clairs, il a eu à escroquer même le bateau de Salami Salapanaï. Mais justement, soit Salaka, c'est à lui de nous présenter. Mais s'il y a à faire quelque chose, c'est que le mal est pur, c'est que ça l'est bien. Je parlais tantôt, il y a pour ma moralité. Est-ce que vous imaginez un docteur un diététicien, comme on est Emile Sang à en États-Unis. En États-Unis, à Zalapé, diététicien, équipe nationale. Il y a Moutayan à plein, il y a nutritionniste à la ministère à plan. Bah, tu vas barater que le ministère à plan, la nutrition peut faire Zalapé, parce qu'il y a quand même la planification, la République. Moutamema, il y a Mouyi. À Zalapé, diététicien, le parc, Costor Mara, il y a Santos Moutubila, il y a ministre de sport, il y a Mouyi. Il y a Moutassoignan Mouzitu. Alors, il y a diététicien Mouzitu. Moutamema, il y a Mouzitu. Comme on a dit, Albert Mukulubundu, conseiller politique à Mozito. Vous voyez, Mozito a beau avoir foutu un bon, on n'est pas à la Katanga, mais il y a un Mutaratumbi. Est-ce que Mozito a un problème particulier dans Katumbi? Te on a lobby, on a cité la Tangi Moutou, Azali. Ce que l'ingi, on a eu un Moutouana, on a passé au numéro, on a eu au salé duplex. Il peut t'envoyer même des documents. Et aujourd'hui, président. Donc, en fait, déjà, dans un pays sérieux, rien que par Belém, Mozito a un ingénieur qui est expatrié. Donc, tant qu'on a son intérêt, on a dit. Moi, quand on a un restaurant, on a un bandala. Mozito a dévoyé 360 millions de dollars. Ingénieur naïf. Mais quand il demande son argent, Mozito lui dit que moi, je suis un grand leader politique, je peux faire que je suis un grand leader déclarer nos grades. Si, sans être au pouvoir, sans être président de la République, il agit déjà comme ça, après il prendrait des menaces comme quoi, pour les étrangers. Maintenant, s'il est président de la République. Tous les cas, dans le dossier, président Martin Fayulu, a Boka Kimbela te akouza la candidate, sauf ce qui a boya ki te ki akouza la candidate, et foutu le baron malam. A l'égal ki te babongo la mambi me matali fichier, boutali yango, et salema pote, ma ponomi ezala. Est-ce que ça l'a mis? C'est vrai que ça l'a limité. Mais ami Lobeli, Fayulu a démontré à la face du monde qu'il est capable de trahir tout un peuple. C'est-à-dire quoi, Marley, vous voyez un plateau dans un tango colossal à la déclaration du président. Fayulu a montré qu'il est capable de trahir même ses hommes de troupes pour ses intérêts à lui.
à trahir Netina Nicolas. Nabi, il est capable de trahir tout un peuple. À poser question à Malam en face, Bissomoko Total à Penza, ba candidat Nyon Soana ou Bazali, Nanyaza Makas. Non. Ou à Koulouka Pena Koubundissa, Félix Tshisekedi. Déjà, quand Fallou dit ça, que Nanyaza Kandé Makasi, mais il n'y a pas comme ça, il n'y a pas comme ça, il n'y a pas comme ça, il n'y a pas comme ça. Fallu lui est pas comme ça rien ma case. Pourquoi y a comme ça monte ma case t'es? N'est-ce pas monte ni y a comme ça ma case? Non. Na 5 ans Fallu a souri na battu t'es. Asa na atrelo zana groupe monte na battu. Na battu toi souri na bangola na monte t'es a rope ça fait ma beaucoup. Lui on l'a poussé. Fallu on l'a poussé. Sauf aux zongi na 2017 2016. Qui représentait les idées dans l'échiquier national en termes de classification de parti politique. Même le MLP, Franck Dionza, il est colo. Fayulu a bénéficié à leadership de la circonstance. Première circonstance, aucun Congolais était d'accord avec Kabila, il fallait retuer tout ça. Deuxième circonstance, le peuple a imposé au leader de l'opposition à l'époque, il est candidat à Moko. Et troisième circonstance, tout le monde est obligé de les soutenir. C'est ça la base et la leadership pour faire le Zanangolelo. Mais si les gens sont capables de vous pousser pour qu'on m'appelle au Koumi, pourquoi sauf faire le leader à Soul. La capacité d'un leader se mesure par son amour de faire avancer les autres. Par la volonté de faire. Un grand leader, un leader, c'est celui qui est capable de faire avancer les autres. Mais quand vous regardez Fayulu, il a fait avancer qui? Parce que là, peut-être, aujourd'hui, lui, il est candidat. Mais il a empêché tout le monde d'être candidat. Empêché Netina, mettre Jonathan Zaka candidat. Ah, ça pas Fayulu. Ah, non, Lamouka. Lamouka. Lamouka, elle, Fayulu. La mouka est ce qu'elle a fait. Nous y sommes dans la mouka. Maman Tatiana, je suis parmi les rares où je me combat. Peut-être que les gens ont décidé. Je suis venu à l'élo. Moi j'ai un problème de santé. Je suis venu à la faillite. Oui. Je suis venu à la faillite. J'ai un problème de santé. Mais Fayulu a préféré d'aller crédibiliser. Oyongaï n'a été toujours qualifié d'une bêtise. A crédibilisé ni. Élection à l'académie. Fayulu n'a jamais été d'accord dans le processus du début à la fin. Un, la loi sur la CENI, contestée par Ngaï n'a fallu tout seul en marche. Bissot, Bakanga Bissot, Naba, Bate Béli, Ba Providence, le Kouli, Ba Cédric, Mimé, Bakanga Bissot. Baketika Bissot, Naba, Naba, Baba, Bajou, Baba, Mustafa. Qui avait donné mon ordre que Loane et Oulekati Fayulu. Loane Leki. Batye Baka Dima, nous avons marché. Tobé Tami, Fayulu, non, tu reconnais une élection avec Kadima. Baye Basali loi électorale, Tilelo de Bezali. Fayulu n'a rien reconnu à processus. Mais à l'oba qui était qui a aucun. Je n'ai pas dit qu'il n'y a aucun. Je vais vous expliquer bad. Tu commis à niveau moro, il faut que l'abi, albaki d'ailleurs, boycott est un vocabulaire naïti. Mais à représenter ma candidate à tous les niveaux, donc les CID et la Mouka, se sont décidés de ne pas présenter leur candidature à tous les niveaux. Jusqu'à ce qu'il y aura audit sérieux. Audit affiché par un cabinet sérieux. Audit citoyen. Citoyenne par la CENCO et les CC. Il a posé tant de préalables. Qu'aujourd'hui, Fayulu a raison, mais lui-même ne sait pas qu'il a raison. Qu'il a eu encore une fois raison, mais il ne sait pas qu'il a eu une fois encore raison. Quand le nouveau gouverneur militaire Nord Kivu, Azolo Bakiba, cadre d'électeur, type de rebelle à M23. Bakar de l'Ekeza, type ba Ougandé, ba Rwandé. C'est encore une raison de plus pour que Fayulu Kendete. Parce qu'il est renforcé par quelqu'un du régime et puis pas les moindres. Qui est renforcé? Fayulu.
Azaki renforcé tant général gouverneur militaire remplacé Constantin Mabike après réunion na na service de sécurité provinciale bah il faut comprendre que il y a eu bradage il y a enrôlement bah rebelle tout le monde dans qui bah ADF bah M23 bah la carte d'électeur alors faut lui raison ça dit que fichier les AMB mais comment après avoir eu raison mais faut le change en politique il y a que deux choses. Il y a la conviction et les intérêts. Fallu doit commencer par nous dire ce qui a eu des gens qui postulent les loups à Tigui Batounios. C'est par intérêt ou c'est par conviction? Mais à quoi qui peut rôtir quand on peut pas m'abouter moi l'emboca. On a le but. Marlez-vous. Maintenant, d'accord que nous malaisons une analyse là. Pour essayer de battre Martin. Maman, t'as dit moi politique et amoukété hein. Ça, on reconnaît. Oui. Je suis dans les analyses. Okay. Je vais vous dire aujourd'hui, sauf à Abimi par hasard de vie, Abimi président. Hein? Fayoul Ouzala, placebo. Limbo là. Ce qui est une marionnette, Fayoul Ouzala, placebo. Vous voyez pour l'année? Effet placebo. Je vais vous dire, c'est un peu comme ça. Pour me la malaria, pour me la quinine. Mais en fait, on me dit quinine était pas valeur tous les actes, on me dit la poudre la pomme. C'est comme ça qu'il faut faire ça. Pour n'encore qu'on soit un député. Quand Fayoul dit que nous sommes dans un régime présidentiel, qui lui a menti? Qui lui a dit que nous sommes dans un régime présidentiel? C'est trop dangereux que Moutaro Linga, comme président de la République, il dit que nous sommes dans un régime présidentiel. Non, nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Où le premier ministre gère le pays au quotidien, le président oriente. Tout le monde. Mais Fayoul dit que nous sommes dans un régime présidentiel, c'est faux. Moi, je suis parlé avec vous. Je suis en train de pour répondre à ce que je suis à Koumé du soir. Allô, Biboy, moi, je suis parlé avec vous. Martin Fayoul va déposer sa candidature. Pourquoi ça dérange? Fayoul n'a jamais dit qu'il ne sera pas candidat président. Il n'a jamais boycotté les élections 2023. Il était toujours prêt avec sa candidature. Et tous les leaders ou candidats président savaient bien qu'il aurait en compétition. La CENI s'entête avec son fichier et lui développe d'autres stratégies pour contrer la tricherie. Où est le problème, moi, Lambo Kamarle et vous? Fayoul a développé stratégie morotée. Un, il dit, les évêques vont, l'église catholique vont déployer les observateurs. Bon, observateur, bah, ça va être un PVT. Rôle d'observateur, bah, c'est là, est-ce qu'il y a eu bourrage d'urne? Est-ce qu'il y a eu des troubles dans le centre Mouroboué? Bah, il y a un PVT, ça va être. Ça, c'est un. Battre battre la campagne, il y a candidat pour sont des candidats députés. Fayoul qui va battre sa campagne. Fayoul candidat pour ça reçu dans la machine à ville. Mais là bas sakanya na katikuna, là bas territoire. Ce sont des candidats bazakuna, ne battu bossani ni, bossa est le campagne. Mais bon, si qu'elle joue carte naï. Il n'a pas de carte. Au moment porté, nous allons dire la vérité à l'opinion. Il n'a pas de carte. Mais tu es bien que mais c'est la fin qui justifie les moyens. Mais la jeune, ça au bouillie, la bandeli. Sauf à l'abîmé président par l'hasard de la vie, à vous à la placebo. Quand il dit que nous sommes dans un régime présidentiel, c'est faux, nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Quand Fayoul dit que l'ECC va envoyer des observateurs, c'est-à-dire que Fayoul ne comprend rien des élections, les observateurs, ils sont en droit de PVT. Raison pour laquelle tu vois là tout va préparer un témoin, la formation un témoin, tout ça. Et non, il faut laisser les formations un témoin. Nico. Imaginez-vous maintenant que Fayoul soit comme président de la République à ODG dans le Parlement. Donc Fayoul n'a ni dans les députés provinciaux, ni dans les députés nationaux, ni dans les sénateurs. Ça veut dire que le gouverneur de la province va aller à l'été, le député provincial va aller à l'été. Les députés nationaux, vous allez y être. Les sénateurs, vous allez y être. Les ministres, vous allez y être. Même le premier ministre. Alors, il ne va pas dissoudre. Parce que pour dissoudre,
Il faut crise entre président et entre gouvernement dans l'Assemblée nationale. Or, gouvernement est une émanation de la majorité. Il y a des gens qui ont bloqué. Donc, il y a des gens qui ont un tapis rouge. Mais en fait, il n'est pas président. Il va rien. Il va décider sur rien. Donc, à deux, Ndombasi Azali qui n'a raison à Colombie. Moi, je ne suis pas ici pour donner raison ou tort à qui que ce soit. Je vais vous analyser. Très bien. Voilà. Quand Fallu dit que nous allons dissoudre, on ne dissout pas. Une année après l'élection, il faut que l'année où l'élection est datée en décembre. Et que l'institution se mette en place en 2024. Hein? Donc pour dissoudre, il faut que la 2025. Vous pensez maintenant que le bâton va vendre d'abord, c'est l'autre 2025 pour dissoudre. Bon. Mais le contraire, le bâton va faire en acquisition, va kangye pe. Question dans les aliments en Boka Marley, vos candidatures, il y a Fayoulou, elles ont dérangé. Elles ont dérangé parce que Fayoulou veut jouer une carte où le pays va être encore en danger. Imaginez-vous que vous avez un président que personne ne respecte, que personne n'écoute. Il peut y avoir crise entre le premier ministre et le président, mais l'Assemblée nationale, comme la majorité, va protéger Nabango. Premier ministre, pour que ça coupe là-bas. Et si on fallait dissoudre, par exemple, à Ozombo, on va avoir sa sélection à 60 jours. Mais en gros, tu as ma béline avec Kangamana Faden à Ozombo. Est-ce que tu as besoin de président de Kabiné pour sa sélection? À sa sélection, on a fiché Nini. Il va trouver $1 milliard pour le Néwe Wapi. Ça veut dire que si on fait le président, on a standé à qui est libre sans député, tous en la condition où on a payé Zala Namonti. Très bien. Merci Marley. Fayoulou, il doit comprendre que il a mal joué sa carte. A postulé, il était déjà perdant. Il s'est tiré plusieurs balles lui-même. Je ne vais pas faire contre-campagne, mais il va humilier Patissi. Mouna Vandiana, Arobima jamais parmi les trois premiers. Au moins une légitimité à contester. Bon, retiré. Hein. Mais ce que Fall oublie quand il s'est dit président élu. Mais au 30 décembre, maintenant, il n'y a pas si lui comme président élu. Mais qu'est-ce qu'il y a au après les 30? Très bien. Parce qu'il a été élu pour 5 ans, selon Ngambenga présent élu. Mais après 5 ans, il deviendra qui? Ici, Fayoulou a tapé totalement à côté. En réalité, si moi j'étais décidé, j'allais démissionner et quitter. Ou si j'étais partenaire, j'allais me retirer. Mais ils sont pas décidés, il faut pas longo na baron. Il faut pas longo parce que vous ne pouvez pas être dans un groupe où les vous ne pouvez pas être dans un groupe où le leader a la capacité de jouer sa carte, mais cette carte que le leader joue est jouée en même temps contre la troupe là. Très bien. Tokota, notre dossier, Oyokoyinda, dans l'ensemble, déjà, le 3 octobre, c'est confirmé que Moïse Katumbi a Kokenda Kotika candidature. Et puis, Katumbi avait annoncé qu'il va déposer sa candidature le mercredi. Le 3. Alors, déposer lobby, Katumbi. Ok. Le 4. Autant que Yazoba a déposé, Katumbi a annoncé cela, ça fait une semaine. Na monya ngwa info a uti ko koma wa ke a o deposer ngo ba 10h30. Ah, ce ba a changé nae. Mais c'était prévu pour les 4. Automatiquement Fayoulou dit il va aussi déposer les 4. Fayoulou, il aurait tiré la nao, il fallait appeler sa consigne de vote. A coopéré tam so sali alliance tam suna ka tumbi tona mukwege a beni ba tona ebo voter mon tutel. OK. Mais par le goût de ne pas vouloir pousser les autres. Voilà.
Aujourd'hui, moi, Namboka, Marley, vous, Tovanda, Tolobilapé, Jacquindala, les Kanaki Mokolo, Lobby, Paye, Louis France, Kouzekisa, Wapie Paye, na Landa Kipeyo, qu'est-ce qui se passe, Lobité, Ayebi, Patrick, Lokalate, Makamboué, Kolobama, pensez-vous aujourd'hui, réaction à Jacquindala, n'est-ce pas Kazan a raison? Bon. Jacquinda la Rose n'a jamais la raison. Pourquoi? Parce que bah somba y banana prison makala. Quoi il s'est sauvé été hein? Jacquinda la audio est allé où ana? Audio nous sommes on a Jacquinda la en prison. Tant qu'on soit un dinosaure, asa en prison. Aïe petit dinosaure clairement. Quand tu as critiqué ce que tu as dit, tu as dit que au moment où tu as dit, tu as dit que tu as dit pour le moment où tu as dit, Baba Info, la Katia A. C'était top, c'était un agent double. Jacquindala veut détruire Katumbi à partir de l'intérieur. Tu as le moment où Jacquindala a été cartouana. Au moment où il y a, Katumbi a sali tourné, a sali ba plein, aye, le peuple fait, a montré que a repris ça, a fait confiance dans Katumbi, déjà Jacquindala va nous jouer carte. Il s'attaque à Bolenge Tenge contre Katumbi. Si Bolenge Tenge quitte Katumbi, Katumbi va perdre la Grande Orientale. Il va maintenant monter Salomo contre Christian Mwando. Or, si Salomo quitte, bon, le Katumbi est tribaliste, à côté de l'île de Katang, Katumbi va perdre le maniement. Vous comprenez? Il veut monter la jeunesse ensemble contre le professeur Witmulongo. Si le professeur Witmulongo quitte ensemble pour la République, Katumbi va perdre le nord et à Grand Katang. C'est ça la carte de Jacquindala. Mais les gens ne savent pas que Jacquindala nous a 10 000 dollars par mois. Et pas là. Nakati en partie ensemble pour encadrer jeunesse. Boutang il a une formation où Jacquindala organise la jeunesse. Tout séminaire où Jacquindala a 10 000 dollars en organisant. Ça c'est un de deux. Jacquindala quitte Kinshasa. On appelle la partie politique, non? Si on a un qui ça n'a pas net maniement. Mais je dois informer d'abord l'hierarchie à parti. Il y a mis balé. Il a informé Moutoise Interfédérale gérée partie de la province. Parce que c'est la juridiction politique. Il faut avoir un au nom du parti. Jacquindala l'a informé. Tant qu'il n'est pas là. Ni hiérarchie à parti à Kinshasa, ni Christian Mwando Moutoise Moukonzi. Il y a parti de Tanganyika. Tant que nous sommes ensemble, peut des ordres et Zanakati. Moi, je suis dans le fait. Jacquindala a dit que il y a des gens qui ont été battus, qui ont prof battus, qui ont été. Mais je vais démontrer à des niveaux que Jacquindala a bénéficié de l'illettrisme à niveau l'école. Il dit à démissionner la partie pendant le 12 septembre. Mais le 28 septembre, il fait une émission, il se présente comme président coordonnateur à Jeunesse à Paris. Est-ce qu'il est intelligent? Est-ce qu'il comprend ce qu'il a fait? Pour Bango Balobi, tu es passé en suspension, il est quand même, mais à l'équipe quand même, Moukoulou Alobi, et puis à l'équipe, il a déposé la lettre de démission. Azo Bwandi, lettre Zanga accusé de réception. Deuxième degré du lettrisme. Hier, on a reçu une lettre où ils ont acquisé. Hier, on a une lettre où ils ont acquisé des réceptions dans ma boue. Ça, c'est supposé que les lettres en a déposé déjà le 12. Parce que Oye Bazong, c'est lié à acquisé des réceptions. Mais ils ont une lettre où ils ont commis une signature, ils ont acquisé des réceptions. Qu'est-ce qui prouve que les lettres en a déposé? Plutôt, Katumbi et Bolenge Teng doivent comprendre que Jacquindala, c'est un terroriste au sein du parti. Jacquindala, il faut pas bengana yé, soit bengani yé, ce parti va être tiré toujours
nasé parti ba no benoze parce que yé azana yé mutu union sacré cha audio ano ka mambalo bana chilu bana ko talo bina français. Dinosaur, yingwe te bimbi infiltration singwa muntu ya jubwele mukachi mwa balwishi me ubele sinu yo kuju kujabu me muitele kuju kujabu to munda munda wendo wa ba ka tulu kunazi même mon coup de la voix n'a pas vu le mouvement de Bangaeba parce que même si tu attaques mon tchan à l'auto à l'ami du bonanito j'attends d'aller voir pour le mot de la coula même la coula du wakoul n'a pas vu la gagne comme ça et qu'elle est moins de tisségui et mou répéter moins de tisségui mon match moyen comme ça tout en profondeur dans le coup de passer le tchan à moi et moi et gassange mais nous voilà wami tisségui mouéva macha moumenu. Tu m'as dit que tu n'as pas de la même chose. 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 Il dit qu'il ne peut pas combattre Tshisekedi. Donc, dengue zawana, Tshisekedi. Jacques Ndala est là pour détruire. Il est en train de détruire plutôt Ensemble pour la République. Il ouvre la porte aux autres. Jacques Ndala, et puis, Jacques Ndala dit que il est à recommander un tina mako, fait pas à mouta. Jacques Ndala n'a qu'il m'a dit qu'il n'a pas de limoïde. Bakangage lwa bébé awana na mamba chéri bokendi. Bakina na ipekine ali moyete kwani mte bakisi. Et puis azabiaza mta makasa lo, c'est que izale rera casting, fe bachende ak sécurité kengela ra siège. Mwangambe na Congo. Mais alobi aza journaliste oyo aza journaliste aza chroniqueur à musique, ye Moustapha Zongi la musala na ya superstar. Abele Lara, voici pour vous, Innocent Baloumé, il nous vient de Goma. Eh, politique ya ma belle. Fazo. Mais à ça très très tala. Na loba on a bateau. Il faut dans la vie, on préfère un ennemi qu'un traître. Parce qu'un ennemi, mon ennemi, na bien qu'il n'en vive ni boye pour sinon ta au bomangai. Au ça nga mabé. Mais un traître ça muto zarané chaque jour moi qui était kayo. Jaginda la face jour ngakuna. Je vous présente Gezma Wete, il nous vient de Tchangoud à Kinshasa. Voici Gezma. Azung la Moussanaï. Pour les Congolais, est-ce que les candidats de Paulette qui m'ont tout à Tchangou Yango et Belissi, Jacques Ndala Makali? Il y a la paix par élément. Parce que au moins même l'émission pour rien, il a cité les noms de Paulette.
soit faut soit Jaguinda le sanction a fallu le tuer bon on a quoi en avant soit Jaguinda là le sanction a fallu le tuer bon on va vendre un bouquin en avant. Dossier à suivre, moi l'amboka Marley Vovo, to lingi to kabwanana yo yako na bande konyon soya est la République démocratique du Congo, to moni c'est ça que peut apekisi makambo ya kosa la campagne bouze la tango soki kuki. Mais c'est ça qui a apekisi ba panone sur les matières qui s'est dit. Courage, na honorable Mike Mukeba et Sika pour la prison à prison. Le roi Bamba Kanga Mukeba et Nanko, tu dois la campagne à Nanko, le Simba Pexa bisous sur vous. Ah, la Monica Tumbia Saki, le roi Malam, moi qui n'ai pas la maman cocotte Nabana. Nabina Yubu. Mais tous les élèves, pas qu'il n'y a pas la saf. Non, ça faisait la première. Oh, Bélati. À l'hôpital. Mais tout le monde a dit le frère. Tout sur la maman série. Tout sur la maman série, pardon. Tout le monde a dit que vous venez que héros yo bande ko belé déjà ba ko benga benga yo pour que okende ko likana na ba etando ya bango soki mbela ya ko pesa na ba congolais o balandio le loko yo sa bango mbela ya ko pesa na ba congolais man faut longa ba fanatique abatu. Nous avons compris que à chaque étape on est trahi, on crée parce que c'est le peuple qui crée un leader. Vous créez un leader, il finit par vous trahir. Aujourd'hui, nous sommes vendus par Martin Fayou. Donc, c'est le moment que le peuple a sa responsabilité. Aïe, bah, on vote Nani à créer Reptile. Mais au moment porté, nous allons vous présenter de vrais candidats à voter. Je suis perdu. Numéro non, il y a contact. Plus 243 89 39 31 940. Je pense que ça a battu mon bazar à Sima. Il y a ma Marley, vous venez à Pandissa, on va sous le problème, c'est que les gens sont en conflit avec la vérité. Et bien, nous avons empêché Batouba de réfléchir. Très bien. Merci Naba Congolais, merci à l'équipe rédactionnelle Yariako News Télévision, Mikandeke Jojo Komingo. Ndeko Balandi Yariako News Télévision, une chose vraie, et Zak et moi, l'amboka Marley Vovo, Bolanarande Bomonaïwanate, Aza vraiment un problème de santé, hein. Ndenga Koloba Penza Pona Mboka Nae Congo. Nalingi Bino Mingi Bandeko. Une vidéo, Natala qui a un mot qui a lobby, moi, la moko ya moukie, baza ko accusé qui a ibi perruque directement, bandeko babandi ko filmé, moi, na wana ya moukie, bati ya un ba réseaux sociaux. Congolaises et Congolais, bandeko nanga ba mama ba tata, ba jeune, ba ningo ya maman Tatiana, na ko singa na bino eloko moko. Humanisme, bon moto e ke iwa pipa ya biso ba Congolais. Tango bozo tchaka baninga na ba réseaux sociaux. Publier baninga tongo midi pourquoi? Boye baka ke vidéo wana lobby e koki ko toucher na vie ya mwana wana. Une petite fille. Na keka ke a moyibi ya solo a iba ki perruque. O sepela ba sa mwana na obo ndenge bo publier mwana wana. Bo sepela na ngo. Po na buzz. Na mona ki video moko na check yango pe na kata ya TikTok nanga ya Israel muto momo pandisa ngwa kei bazoloba ke nani moko ndia mboka soki Jean-Claude kombo moko be bazotanga yango bongo mena eko tanga na article moko awa na info plus na eko comprendre eloko moko Congo to na chance te ba oyiko zo mopandisa ngo moko songolo pakala. Batie moi eloko asimbi yango kaka boye akeisika ao bebisa muta osala musala malamu esika o batie yete me bazo luka ke mutu wana balakisa batu ke azana confiance ya population o ya enzoka nde amonaka na e banguti natangi na info plus RDC balobi info plus RDC. Bazalaki na Gemena na koloba yango na lokota ya Lingala. Bazalaki na Gemena, chef lieu ya province ya Sud Ubangi na date ya le 27 te
le 30 septembre, Ndebande Konabiso, Bazalaki wana 2023, bien sûr. Balobite, batuna ki mituna na population. Bayo bakoluka bayo kango na lokota ya li falanse. Nous avons interrogé la population sur les bilans, bien sûr, du gouverneur. Batuna ki mituna na bae oyo bazalaka na mboka wana na sudu bangi. Po baluka koyeba bokambi ya gouverneur. Selon ba population oyo bazalaki interroge, balobite gouverneur ya province ya sudu bangi Jean-Claude Mabenze. Bebe, alekisaka ngonga na nyonso na Kinshasa. Que na gemina. Mais azaye mon côté. Ezali na ba gouverneur ebele. Oyo ba tia tia bango na ba province songolo pakala me ba vandara esika oyo bazalite. Ezali pasi pe mawa. Il n'a jamais passé plus d'une semaine dans sa province. Et logo to bando lobela on a Alain Bolodjo, président à l'évent nous et bâtissons. Cette population nous a dit que le gouverneur Jean-Claude Mabenze n'est pas proche d'elle. Il n'est pas connu par la population. Aye banité Nabaye Bavandi, na Sudou Bangi. Et puis, babaki si que province. Ezali na yango développé. Babtien na souka, balobite dossier à suivre. La question o ngai maman Tatiana na mituni na vidéo na monaki. Dans Israël mutombazi bana batu ya mikie avant d'ici bango esika moko po atuna na bango. Nani de gouverneur, nani de gouverneur, honte à vous. Bandeko, naza congolaise, naza pe maman, naza rapé na posa ya ko lia ndenge yo zolia, na rapé na posa ya ko mela ndenge yo mela. Mais pas si nanga ezali, na linga koza na dette moralité. So na ina sale eloko, naza la lié na eloko songolo pakala, j'aime pas. J'aime pas. Wana eza maman Tatiana, j'aime pas. Kalate na ibisa kibino toroye babango. Na souki nanga awa. Merci na Cécile Osango, la femme la plus fidèle. Moté ma chef Serge Katembo, tété Osango la plus belle. Yapasi Osango Wayambo. Merci na maman Emiline Zemba. Tous pepele ambeto lo maali kelemba. Tika angate. Félicitations à mon grand frère chéri Guilain Bengi. Oyopena. Fille né na biso deo bengi ya uti ko honoré biso nzambe a pambola moi na biso kalate na ola ta super wax hein super wax pena lo la tata na zo ya pe wana ko konté mon solo pote na zo par na ngai nzambe a pambola yo ma fille. Merci na bande konyoso, merci na bayo bolanda kabiso, mais bo continuer kolanda biso bo s'abonner massivement sur ya konyoso télévision et partager pa émission à maman Tatiana. Na lingi bozala ebele scotché branché. Bozala vraiment ebele. Ngai na linga rabino pe na okoba olinga bino. Merci na boss Eric Lele House full boss. Vraiment, bah, courage et belé. Tu es que moi et l'eau pour déranger, vous les ralents. Merci à maman Sido, maman na Naomi depuis Anvers. Il y a Pauline Misaka, il y a Roger, na Pesio Mbote, Siro Roulananga, Mbote na ba Congolais, Nyonso, au bois na confiance, pe fidélité na Bino, na maman Tatiana, Maton Domingue na Bino. Ceux qui nous aiment à Zongite, retrouvez maman Tatiana, mon collègue Lobby. Balobaka, l'église et la presse sont au milieu du village, mais la voix de Tatiana lutte contre l'inversion de valeur, vous dit que l'église est le corps du Christ, Christ est vérité, alors l'église et la presse sont dans la vérité. Un grand merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, restez scotchés, on se retrouve mon collègue Lobby. Au revoir. Réaco News, vous informer, c'est notre devoir.
Réaco News, la chaîne qui vous informe à temps réel.